monde est en train de faire dodo. Il va être 15h, donc d'ici une heure, je pense qu'ils vont se lever. Depuis ce matin, oh là là, mes sourcils, il faudrait que je les travaille un peu. Enfin bref, depuis ce matin, j'essaye de mettre une vidéo en ligne et je n'y arrive pas et c'est fatigant. Par exemple, là, ils me disent que j'aurai une heure, donc je suis à 70% pour pouvoir mettre en ligne. Donc je vais vous faire montrer. Donc voilà. Voilà comment ça se passe. Et en fait, moi, en bas, ils me disent combien de temps il me reste. Une heure. Une heure à attendre. Donc là, ça y est, 71%. Donc j'espère que ça va monter petit à petit. Mais depuis ce matin, je suis en train d'essayer de vous envoyer une vidéo. J'ai encore une vidéo que je dois travailler. Ensuite, l'envoyer, plus la vidéo d'aujourd'hui. Je suis en retard dans mes vidéos. YouTube, je ne sais pas si c'est la même chose. Donc je vais envoyer des petits messages à mes copinettes youtubeuses qui sont sur mon Facebook pour savoir si elles ont le même souci que moi. Parce que là, ça commence à me saouler, quoi. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça, c'est long. Il me semble que j'ai déjà entendu parler de ça à la télé, comme quoi ils allaient réduire les débits pour Internet, parce que à cause du confinement, il y a tellement de choses, enfin bref. Donc sinon, je suis en grande panique, les gars. Les copinous, je suis en grande panique. Là, là, 18h, entre 17h30 et 18h, je dois aller récupérer un drive, en sachant très bien que s'il n'y a pas tout, je vais devoir descendre, parce que je pense qu'ils ne feront pas les échanges, donc j'irai voir en magasin plus une liste que j'ai. Et j'ai une boule au ventre, quoi. Là, ça va être la deuxième fois que je vais sortir depuis le confinement pour aller récupérer à manger. En plus, c'est bientôt l'anniversaire de mon mari, donc je vais profiter pour lui prendre soit des bougies, soit des trucs comme ça, mais je suis pas bien. Je suis pas bien de... J'ai pas envie de sortir, quoi, mais bon. Quand il faut, il faut. Bref, on verra bien. J'espère vraiment qu'il y aura à peu près tout ce qu'il y a. Mais bon. Donc voilà, petite panique. Donc normalement, aujourd'hui, vous n'allez pas avoir le retour de course. Normalement, ça va être demain. Parce qu'aujourd'hui, quand je vais aller récupérer les courses, je vais les mettre directement au garage. Au garage. Et ensuite, et seulement demain, que je vais pouvoir déballer tout ce qu'il y a dans les sacs. Par chance, il fait froid. Donc, c'est un peu le garage, il est un peu comme un... Comment on appelle ça ? Un frigo. Donc sinon, autre stress, vu que je suis stressée par ce qui se passe, le confinement et tout, tralala. Hein? D'habitude, je suis réglée entre le 2, 3, 4 ou 5 du mois, hein? Tous les débuts de mois, boum, et là, qu'est-ce qui se passe? J'ai mes règles 5 jours avant. Donc bien sûr, qui dit douleur, hein? Douleur, mal au ventre et tout ça, et puis j'ai toujours une boule au ventre là, ben, ça c'est juste le stress de devoir sortir, et puis voilà. Donc moi je vais vous laisser sur ces quelques mots, et puis nous on se retrouve après, parce que je pense que je vais vous reprendre juste après le drive, parce que je vais pas vous filmer le drive, franchement ça ne vaut pas la peine. Je préfère aller vite fait et puis revenir vite fait que faire des images. Voilà, c'est plus pour ma sécurité et puis la sécurité des autres. Donc voilà, allez, on se dit à tout à l'heure parce que je dois charger mon appareil photo parce que sinon j'aurai plus de batterie. A tout de suite. Ça y est, j'ai rempli ma petite feuille, ma petite attestation. Là. Ma petite attestation. Les enfants sont en train de jouer dehors avec Michael. Il est quelle heure? Il est que 17h. Je crois que je vais partir vers 17h30 pour mon drive à 18h. J'ai envie d'aller passer Intermarché avant. Enfin, je sais pas. Ou je fais directement le drive. Et ben, je sais pas parce qu'en fait, j'ai envie de voir s'ils ont du papier toilette, quoi. Parce que si jamais j'ai pas dans mon drive. Enfin, bref. Bref, on verra. Donc, moi, j'ai ma petite attestation. Les enfants se sont réveillés. On a pris un petit goûter. Il est 17h. Et les enfants sont en train de jouer avec leur papa dehors. Quel bis ? Oui, fils. J'ai pas trouvé quelque chose. Non, tu as perdu quelque chose. C'est pas t'as trouvé. Donc là, il y a un petit carré de soleil et Mickey, il est au fond, là. Maman, pour mettre ça.
Ah ben oui, mais bon, peut-être que papa, il en a une autre. Allez, Kylian. Ben non, mais vous, autant les enlever, là, non? Allez, Albert, on fait la course. Ça va, le bronzage? Ah, c'est la belle vie. Donc, ils sont en train de jouer. Je vais vous faire montrer un peu... Je sais pas si je vous ai fait montrer mes tulipes, déjà. Alors... Là, normalement, ça devrait être des tulipes qui devraient sortir. Ah, là, il y a une rouge. Ah, super. Là, j'ai une rouge qui va sortir. Donc là, hop. Et le temps que le focus se fasse... Ah, il se fait pas, le focus. Oh, regarde, wow. Là, oui. Là, il y a une... Voilà, là, il y a une rouge qui va sortir. En fait, j'en aurai une, deux, trois... Oh, j'en aurai pas mal, là. Voilà, ce sont des tulipes de chez Action. Donc je suis bien contente. On va se balader. Balader où? Quoi? Tu sais très bien pourquoi on peut pas sortir. Alors Vémitié, à chaque fois c'est la même chose. Elle demande toujours quand on va pouvoir aller se balader. Sauf qu'on peut pas aller se balader comme ça puisque c'est pas nous qui choisissons. Je pense que ce week-end ça va y aller la couleur. Je vais devoir faire une couleur. Alors il y a quoi? Il y a 3-4 semaines. Il y a la ouais. Il y a 3-4 semaines, j'avais fait une promo sur les teintures de cheveux. Et je pense que j'ai bien fait, j'en ai pris 6. Parce que j'ai profité de la promo à Carrefour. Mais là, j'ai bien fait parce que maintenant, j'ai tout un stock de teintures. Donc tous les mois, je vais m'en faire un. Ça va, Vémitié, la puce? Elle aussi, elle a appris à pédaler sans les roues. Il faut freiner, hein, faut pas s'arrêter comme ça. Et toi, Kylian, tu sais? Ah, c'est trop chouette. Donc voilà. Bah, comme d'hab, le ventre qui est une boule au ventre, hein, quoi, hein. Quand tu sais que tu dois sortir, ça fait comme une boule au ventre. Mickaël, lui, il sort que le week-end. Et encore, ouais, tu sortiras encore ce week-end pour le pain. Donc on verra, on verra. Mais pour le moment, c'est moi qui vais sortir. Et une boule au vent, quoi. Fait chier. Bref. Bon. Allez, nous, on se retrouve après. Je verrai si je vous ferai des images après. Mais je pense que oui, je vous ferai montrer en gros les sacs. Et après, je rentrerai dans la maison pour me baigner, laver les cheveux, etc. Ouh là là, il a failli toucher l'appareil photo. Allez, à de suite. Ça y est. Je vais essayer de vous poser un peu comme ça. Voilà le temps que je vais mettre ma ceinture. Oh là là, j'ai comme une espèce de crise d'asthme. Donc là, je vais récupérer mon drive. Mais en fait, je suis pas bien. Je suis pas bien du tout. Hop, parce que là, ça a commencé à tomber. Donc moi, je vais essayer de vous reprendre sur le chemin, mais pas dans le magasin ou ni dans le drive. On verra bien. Allez, à de suite. Rukiku, ça y est, je suis à mon drive. Je viens récupérer ma petite commande. Donc normalement, il devrait être derrière, comme ça. Je suis passée à Carrefour, à Intermarché. Donc par chance, j'ai eu la nourriture de mon chat. J'ai aussi du papier toilette. Le rayon est très, très vide. Mais bon, ça va, j'ai eu ce que je voulais. J'ai eu les céréales des enfants. J'ai eu leur un peu de goûter. Et de la crème fraîche, ça y est, enfin j'ai de la crème fraîche. Que j'ai trouvé, que la semaine dernière je n'avais pas trouvé. En fait là je crois que j'ai beaucoup de chance de pouvoir comment dire, de pouvoir avoir tout ce que je veux. Donc je vais voir s'ils viennent. Je vais baisser déjà parce que de toute façon je vais devoir ouvrir le coffre. Donc voilà. Et j'ai pris pas mal de choses quand même. Enfin pas mal de choses. Surtout tout ce qui est goûter des enfants. Donc voilà. Allez, moi je vais patienter encore parce qu'après à 19h ça ferme Carrefour Market et il est déjà 6h15 et ça ferme à 19h. Donc voilà. Allez, à de chouette. Bon, là je viens de vérifier mes manquants. En fait, il me manque des Kinder, des chocobons, puisqu'il manquait. Donc là, moi je vais aller voir un peu ma liste parce que j'ai fait une liste ici. Voilà, là vous avez une liste. Donc je vais aller prendre avant que ça ferme parce qu'il va bientôt fermer. Donc voilà, apparemment j'ai tout, donc j'ai un peu de chance sur ce coup-là. Allez, à de suite.
Coucou les copinous. C'est toi qui es vert là. En fait, sur l'écran, il y a des carrés pour situer les visages, en fait. Donc, à chaque fois, ça prend en photo. Enfin, bref. Donc, ça y est, je reviens du drive. Il y a un seul truc que j'ai pas pu avoir. Je sais plus c'est quoi. Mais c'était qu'un seul truc. Sinon, tout... ouais, c'était la levure. La levure, impossible d'en avoir. Donc, j'ai pas cherché. De toute façon, à Intermarché, j'avais pris de la bière. Pour faire de la levure, parce qu'apparemment on peut faire de la levure et de la bière, donc à tester. J'essaierai de tester avec vous, donc on verra bien. Et là, je viens de sortir de la douche, donc je suis arrivée. Attendez, je vais vous montrer. Hop. Donc j'ai fait un shampoing. Tu vas te laver les mains. Tu cherches quoi? Il cherche son chocolat. Il a tout vidé. En fait, ça, il est vide celui-là. Il mange trop de chocolat. Et j'en ai pas repris au fait. Hein. Alors. Ce que je vais vous faire montrer, c'est ça. Là, mes chaussures sont là. Ensuite, quand je suis arrivée, ben, je suis allée dans la cuisine. J'ai enlevé tous les vêtements et tout le tralala. J'ai mis dans la machine à laver. Et puis, j'ai été prendre ma douche. J'ai fait un shampoing. Et là, on voit toujours mes cheveux blancs. C'est chiant. On dirait que je suis chauve comme ça. Bref, ça va arriver. Donc voilà. Nous, on va manger. Là, ce soir, on va dîner. Alors, notre dîner, ben, c'est comme d'hab. Hein. Café, pain, beurre, céréales et tout. Tralala. Moi, j'ai du café. Alors Kylian, il aime le café, il aime boire le café. Non, pas ce soir chérie, pas de café ce soir. Mais non, sinon il n'y aura plus dormir. Parce que le café, il fait pas faire dodo. Ah non. Non, il ne fait pas faire dodo. On va chercher quelque chose pour toi, autre chose. Bon, nous on se revoit demain. Là, je dois bosser encore une autre vidéo. Attends, je dois bosser encore une vidéo. Ensuite, je vais bosser celle-là. Et Vemiti, elle veut dire quoi, celle-là? Moi aussi. Toi aussi, quoi? Ouais, j'ai pris des choses pour eux. Donc, vous verrez ça demain. Allez, je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous. Et puis, nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous, les coupinous.